Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fire Emblem Warriors 3 Hopes. J'espère que vous allez bien. Nous pouvons débloquer, améliorer un nouveau bâtiment, ce que nous allons faire avec l'architecte en chef. Si je ne m'abuse, je peux débloquer, je peux le marché. C'est ici du coup. Établir un réseau de distribution de produits de luxe afin de réduire les coûts de rapprovisionnement. Augmente légèrement le type de ressources et vous allez être acheté. Allez, vas-y. Dépôt des provisions, je peux améliorer ça. Okay. Ah, c'était quoi, merde, j'ai pas lu. Former une équipe permanente composée de soldats expérimentés leur donner de collecter des matériaux. Merde, j'ai pas lu ce que c'était ici. Flûte. Chargé de corvée. Chargé de récompense. Chargé de logistique. Est-ce qu'il y a des corvées quelque part? Bon, c'est un, on va faire cuisine. Il n'y a pas la cuisine. Maître cuistot. Si, voilà, c'est là. Vous avez pris à préparer le ragoût du pêcheur. Pas un rebat. Un repas. Un rebat, n'importe quoi. Jauge de guerre, il y a plusieurs débuts du combat. C'est bien ça. Là pour le ragoût du pêcheur. On va faire ça avec Léonie. Et avec Ignatz, ça a l'air pas mal. Avec Marianne. On va faire Marianne ça. Pa 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 la la. Et on touille. Et on touille. Et on touille. Et c'est parfait. Oh c'est succulent, tout le monde adorait ça. Parfait. Mais c'est pas un ragoût ça. Merci, j'adore. Comment connaissez-vous mes goûts? Merci, c'est formidable. Très très bien. Nouveau dialogue de soutien dispo. Ça n'en finit plus. C'est cool. Chaise, Marianne. Ah oui, on n'est pas cessé, donc forcément on a un nouveau soutien. Eh, bonjour Marianne, vous m'avez vraiment impressionné aujourd'hui à l'entraînement. Oh, je vais au réfectoire, vous m'accompagnez? Après m'être autant entraîné sans pause ce matin, je suis affamé. Oh pardon, j'avais oublié, vous préférez manger seul, n'est-ce pas? Bien, ne vous en faites pas, je trouverai quelqu'un d'autre pour m'accompagner. Non, oh, je serai ravi de vous accompagner, si vous acceptez bien sûr. Vraiment? Très bien, alors allons-y, je me demande ce qu'il y a au menu aujourd'hui. Oh, ça fait du bien, je me sens revivre. Ouais, c'était bon. À propos, qu'est-ce qui vous a décidé de m'accompagner? Que voulez-vous dire? Vous restez seul d'habitude. Je pensais que vous n'aimiez pas manger avec les autres. Je vous ai parfois vu manger avec Hilda, mais je me suis dit que c'était parce qu'elle vous y forçait, je me trompe? Non, je préfère en effet être seul. Je n'ai pas vraiment l'habitude d'être avec des gens et je ne sais pas quoi dire dans les conversations. Moi qui m'a encore plus curieux de savoir ce qui vous a poussé à manger avec moi. Eh bien, vous avez un pouvoir étrange, n'est-ce pas? Vous pouvez vous transformer ou quelque chose comme ça. Oui, ça vous intrigue? Ce n'est pas exactement ça. Je me demandais si ce pouvoir vous dérangeait. Non. Non, je n'y accorde pas trop d'importance, et puis mon pouvoir s'avère parfois utile. Je sais que cela rend les gens méfiants à mon égard, et cela les fait s'interroger sur mon passé, mais les gens sont comme ça. Malgré cela, vous êtes toujours de bonne humeur, et tout le monde ici vous respecte. Je me demandais comment c'était possible. J'espère bien que les autres nous respectent, c'est pour ça que vous vouliez vous joindre à moi. Vous voulez savoir comment faire pour devenir comme vous. Comme moi, Marianne, ce n'est pas comme si vous aviez un mystérieux pouvoir caché, n'est-ce pas? Non, effectivement. Les pieds dans le plat, Marianne. Chaise. Vous n'êtes pas obligé de vous casser la tête pour vous faire des amis. Tout le monde vous apprécie ici. Vraiment. Je suis totalement inutile. Mais arrête un peu. Mais non, vous nous êtes très utile. Au contraire, je suis sincère. Vous n'avez pas à faire semblant d'être quelqu'un d'autre, d'accord? D'accord. Merci pour ces paroles. Toujours, hein. Elle n'a pas changé, Marianne, par contre. Hein. C'est toujours aussi... déprimée, la dame. Ya! Ha! Fiu, je suis épuisé. Oh, bonjour. Vous êtes venu vous entraîner, vous aussi? Alors, bonsoir, là, hein, vu l'heure. Non, je viens juste récupérer quelques affaires que j'ai oubliées. Vous vous entraînez souvent à cette heure-ci, Léonie? Oui, c'est que j'ai tellement à faire ces derniers temps que je m'entraîne dès que j'ai un peu de temps libre. Après, c'est peut-être l'aube. Mais ça m'a l'air d'être la nuit, quand même. Mais vous travaillez dur pour un mercenaire. Je débute à peine dans le métier, alors ce n'est pas le moment de se reposer. Mais commencé à m'entraîner qu'après la fermeture de l'académie des officiers, vous vous souvenez? Alors que vous étiez mercenaire bien avant de venir à l'académie. Vous avez des années d'expérience de plus que moi.
mais vous avez le talent et l'intelligence de votre côté. Cela fait de vous une recrue prometteuse. J'espère que vous avez raison. Il va falloir que je me démarque à un moment, sinon je ne pourrai jamais faire face au capitaine. Vous avez un capitaine? Oui, il était venu à mon village quand j'étais petite et je l'ai quasiment supplié de devenir son apprenti. J'ai probablement été insupportable, mais tout ce que je voulais c'était partir de mon village et être indépendante. Il l'a appelée la Gérald. Elle a dit Gérald. Il m'a d'abord traité comme une sale gamine, puis il a fini par accepter. Il m'a appris les ficelles du métier, comme entraîner les bases de la stratégie. Vous avez un mentor aussi, quelqu'un qui vous a guidé? Un mentor? Oui, plus ou moins. D'une certaine façon, oui, j'ai un mentor, quelqu'un qui me conseille de temps en temps. C'est plutôt vague, mais j'imagine qu'il y a plusieurs genres de mentors. Quoi qu'il en soit, vous avez quand même beaucoup plus d'expérience que moi. Et puis d'avoir travaillé dur pour vous rattraper. Je parlais d'Arval, évidemment. Eh bien, si vous voulez les conseils d'un vieux brigand, faites-moi signe. Merci, je suis content d'avoir un exemple à suivre. C'est étonnant qu'ils aient pas mis Gérald dans la traduction en français, puisqu'elle l'a dit en anglais. Donc, Ayam, bit étonné. Chargé de corvée. Allez, vas-y. Soin des chevaux, exploitation d'un étal. Bah, brosse et nourrit les chevaux, vas-y. Je vais choisir avec qui je le fais. Yoni, Chamir, ça peut être que bien. Je compte sur vous deux. Bien sûr, je vais vous aider. Ta-ta-ta-ta-ta. Et cherche l'épée Chamir. Yes. J'accomplis toujours mon travail jusqu'au bout, je suis une minutieuse. Joli. Ok, ok. Allez, l'entraînement. C'est juste là. Bien, vas-y. Je peux toujours pas acquérir de classe, hein. Je sais pas comment j'atteins des... Ah, cool. Attendez. Pourquoi il est en combattant? Ah non, voilà. Utilise un saut avancé pour que Claude... Ah non, je m'en fous. Plus d'obtenir une certificat d'aptitude pour cette classe car l'effet de bâtiment diplôme élite n'est pas disponible. Ah. Voilà. Diplôme élite. Matériaux de construction qualité. Matériaux entraînement vétéran. Ouais, j'ai pas l'impression d'avoir le... Alors, qu'est-ce qu'il faut que j'enlève? Mais ils le maîtrisent tous. Et ben, vas-y. Allez, superbe. Hop. Bah, c'est parfait. C'est ma vie, lui. Mes autres personnages, ça nous est bien égal de savoir qui est l'Alliance et l'Empire remportera. Mais j'espère quand même que la guerre apportera un changement positif dans ce monde pourri, même si c'est juste un peu. Tant que les choses n'empirent pas, ça va. Dans le cas contraire, je ne supporterai pas. Bon, quelle mentalité. L'armée impériale fait route vers le nord sur le territoire de Riegan pour attaquer Derdryu, capitale aquatique. C'est à vous qu'il revient de les arrêter à tout prix. Niveau ennemi 15. Je sais pas combien, mais... Les élèves, là. Niveau supérieur. Il y a 18. Je vais mettre 15. Hein. Yep, yep, yep. Hop. Raphaël. On va faire passer au niveau du truc parce que sinon ça va pas être bon. Si j'en ai besoin. Hop. Lucia, tu y es presque. Hein. Allez, ouf. Ça coûte pas cher. Hop. Niveau 15. Niveau 15. Linhart, niveau 15. Pinlimpin, Chamir, niveau 15. Hop. Et on est tous niveau 15. Parfait. Et là, on va pouvoir faire ça. Hop. Il reste des points d'inspection non explorés. Ah bon ?
Ah oui. Là, il y a besoin de troupes supplémentaires, j'ai dit. Entrée volontaire, mage volontaire. Allez, vas-y. Prends les mages. Capter en lieu sûr. Ok, merci pour les matériaux. Quand les unités auxiliaires pour obtenir de la provision, vous en avez grandement besoin. J'ai rencontré une nonne qui a connu une grande célébrité où il avait demandé de rejoindre votre armée, mais il avait su un refus. Non, merci, ce mode de vie me convient parfaitement, je me contenterai de prier pour vous. C'est aussi une unité pour augmenter la magie. Merci. Un bâtiment peut être développé. On verra ça plus tard. Se rendre sur la zone sélectionnée. Oui, la tactique de Derdryu. Je n'aurais jamais imaginé qu'il eût été si difficile de progresser alors que notre ennemi est si dispersé et mal organisé. Je savais que je n'aurais pas dû venir, je peine déjà à subsister au quotidien alors dans une mission à haut risque. Bernetta et Ferdinand, qu'est-ce qu'ils font là? On aurait peut-être mieux fait de rester à Garagmak dans ce cas, non? Moi je me suis porté volontaire pour cette mission, mais il devait certainement y avoir d'autres options pour vous. Rester à Garagmak? Ah ça non, je ne veux pas être là quand mon père arrivera. Alors pourquoi ne pas demander à être transféré sur le front ouest? Ariane Horde est connue pour être imprenable, vous avez été en sécurité là-bas. Et risquer de tomber sur Damrea est encore plus effrayante. Bon, dans ce cas, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de vous concentrer sur la mission qui nous attend. Je ne peux pas dire que je sois satisfait de notre progression, mais voilà Derdryu qui se dessine enfin à l'horizon. Bernadetta doit nous rejoindre. Si nous pouvons prendre la ville, nous aurons réussi. Ferdinand, tu veux pas non plus? L'armée impériale a conquis la plus grande partie du centre et de l'ouest de Riegan. Ce n'est qu'une question de jours avant qu'il n'attaque la ville. Merci Shamir, vos talents d'éclaireuse sont sans commune mesure. Je ne sais pas comment j'aurais fait sans vos rapports. On dirait qu'il ne sert plus à rien d'essayer de les ralentir, nous devons immédiatement faire revenir toute l'armée à Derdryu. Hilda, envoie un message au duc Gonril pour l'informer de la situation. Comptez sur moi, chef. Il semble que la réparation des fortifications et des portes ont été effectuées, et cela sous les ordres que vous avez donnés. Il peut pas croire que nous avons réussi à faire ça à temps. Il ne reste plus que mettre nos hommes en position et nos défenses seront prêtes. L'armée impériale est quasiment à nos portes, vous devriez tous vous mettre à vos postes. Entendu, je vais le dire aux autres. Tous nos commandants sont si jeunes et inexpérimentés, moi y compris. Nous n'aurions aucune chance de victoire sans l'expérience de la bataille que vous nous apportez. J'ai une grande confiance en mes talents, petit Claude. Je ne pense pas que ça arrivera un jour. Si vous me permettez de survivre à cette bataille, je ne serai en mesure de renverser la vapeur, ne me laisse pas tomber. Tu me prends pour qui, petit? Ne t'inquiète pas, va. Vous devez faire confiance à vos amis, Claude. Si quelqu'un peut réussir, c'est bien nous. C'est bien le pari que je fais. Et maintenant, marchons vers la victoire. Allez, condition de victoire, venez à bout, le Ferdinand. Judith s'étant déroule, tout l'ennemi s'empare du point de contrôle du port. Du pont de contrôle du port. Alors, appelle les archers, invoquez les archers pour protéger la ligne de défense. Déplace les bateaux pour former un pont et créer un nouveau chemin. Ouais, bah ça, on l'a débloqué, donc ça peut être pas mal ça. Persuade un général ennemi de rejoindre notre armée. Commence la bataille en formation défensive. Diminue la durée de l'évasion ennemie au début de la bataille. Au capitaine d'évasion et l'évasion alliée. C'est où? Il est où Balthus? J'avais pas à savoir. Personne d'un général ennemi rejoint notre armée. Pour protéger la ligne de défense. On va le faire ça. Voilà. On va faire ça plutôt. Alors, on est plus nombreux là, j'ai l'impression. Mon chat, il est forcément là. Claude aussi. Ici, ok. Claude est forcément là. Dali est fort là. Ici, la Marianne, par contre, elle est pas solide. Là, elle y est déjà. Nett s'est déployé. Bachamir, du coup. Allez, let's go. Let's go! Allez, tenez bon, nous allons renverser la situation. Ils sont que 3? On est que 3? Le port ne peut pas rester aux mains des ennemis, nous devons tout faire pour le reprendre. Démarre la mission principale, capture les bastions du port. Le chef intrépide fait enfin son entrée. Alors toi, tu vas aller taper lui.
Ta pluie. Allez, tape les, je t'ai dit. On va y aller en mode. Ok. Pardon, j'ai dit, j'étais occupé ailleurs. On va pouvoir contrôler Claude, non. Nous aurons besoin de nous assurer une défense, que tout le monde s'assure qu'il reste en vie. Ok, pas de soucis. Empêcher du Judith d'être en déroute. Ok, ça c'est bon. Chez après le contrôle d'entrée du port. Alors. Hop. Mon travail, continuer. On retrouve le move de Teba, je l'avais déjà dit, mais ça fait vraiment pas penser à ça. Après le contrôle du port, et il a. On reste plus qu'un. Allez. Bon, elle est puissante la Hilda, je trouve. Mission principale réussie, vous avez capturé les bastions du port. Bien, nous devons stabiliser la ligne de front, assurez-vous qu'ils reprennent aucun des bastions. Quoi, ils ont pris le port, ça s'annonce mal. Attends, pourquoi je peux pas aller. Ça s'annonce mal, lancer notre attaque surprise. Aïe. L'embuscade vient d'être tendue à Dedryu. J'ai entendu une embuscade dans la ville, je dois dire que je ne m'attendais pas à ça. Abaissez le pont-levis et interceptez-les. Ah, elle m'emmerde, elle. Elle m'emmerde. Voilà, finito. Finito le machin. Troupes de l'Alliance ont abaissé le pont-levis et ont vers un chemin vers Dedryu. Ok. Ne pas nous permettre. Ok. Voilà. Toi tu vas là. Jamir tu vas là. Toi tu vas aller là. Et puis tu vas aller là. Et nous on va prendre Hilda. Empêcher la chute du contrôle du pont. Mais pourquoi tu me pointes ? Faire appel aux archers. Ah oui. En effet, initier stratégie. Frotter notre ligne de défense. Un archer et l'allié va apparaître dans le point de contrôle du pont. Ok, ça c'est cool. Chase est en train d'attaquer la rendue du pont principal. Hop, la station tombera, ouais ouais. Et là elle reste pour protéger hein, la base. Alors là elle va apparaître, elle avance vers le point d'évacuation. Ah il y a un paquet de trésors ici qui demande à être pris. Ok le voleur est là. Et il m'emmerde parce que c'est pas le bon. Évidemment la hache. Allez. Ça dégage le voleur. Le cheval aussi. Bien joué ça. Il est pas mort. Il a pensé qu'il serait mort. Il y a une seconde voleur, il est là. Ça dégage. Après, on a vaincu le pugiliste. Ok. Son volet a réussi. On va protéger Judith. Il est où lui? Il est là-haut. Parfait. Hop. On va le terminer rapidement. Ça ne va pas nous emmerder longtemps. Serviteur à les troupes. Chef de bastion. Hop. Il était fin à l'embuscade. Comment je fais ça, moi? Si je tue ça, c'est pas mal, non, déjà?
Il a pris le contrôle. Là, il y a lui. Protagon d'Adaryu et l'Alliance. Ouais, il y en a un autre là. Ah voilà, c'est le pugiliste. Hop. Une potion pour se soigner. Vas-y. Il y a Claude qui est là, ouais. Ils sont tous là en fait. Ils sont arrivés en même temps que moi. Pugiliste, ça dégage. Ça, il est pas mort. Ça, il est résistant, le con. Résistant. Mettre en foros. Ok, ça dégage. On va prendre ça. Tornade. Shamir a vaincu le brigand. Bien joué Shamir. Il n'y a rien. Ah, c'est ça, c'est toi. Très bien, mission principale réussie pour le moment. Il fait l'embuscade. On n'a pas encore terminé, poursuivre l'assaut. On t'a l'air toute la puissance de l'Empire. Troupes d'invasion viennent d'apparaître avant de la pointe de contrôle. La mission principale vient à bout des troupes d'invasion. Donc Claude. Claude, il est là. Tu vas là, et Shamir. Voilà. De toute façon, je ne peux utiliser que toi. Ah, qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il fait là, Holst? Holst Sigiswald Gunnery, les craintes, Holst Sigiswald Gunnery, il est là, je libère Daedryu des mains de l'ennemi. C'est un allié, ça. Holst a rejoint la bataille, est désormais contrôlable. Oh putain! Que fais-tu ici? Non pas, je me plaigne. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh là là, je vais anéantir les forces de l'ennemi, que tout le monde me suive. Mais loul, on peut même le contrôler quoi. Trop fort. Ah, il se met en mode électrique. Mais si, les orbes de feu sont prêtes. Excellent, préparé. Ah merde. Troupe impériale attaque avec des orbes de feu. Oh non, notre ligne de défense est menacée, mais je n'ai aucun moyen de les arrêter. Ah, la mission secondaire, capture les bastions pour stopper les orbes de feu. Ah, ça oui, on peut nous encore déplacer. Ah, si nous déplaçons par ici, nous pourrons nous servir du pont. Ça, j'ai bien fait de le faire, ça. Vous avez vaincu. Pont d'appoint. Sinon, on aurait été en PLS. Ah, il est là lui aussi? Allez! Balthus von Albert! Ah, mais non, c'est pas bon, c'est un méchant. Ah, non, c'est mon tour, elle attaque tout le monde. Mais non, Balthus! Ah, j'espère que Yuri va pas être contre nous. Hein. Principal, venez à bout de Balthus. Ah, attendez, ce ne serait pas Balth. Que fait-il à se battre pour l'Empire? Ah non, tu viens vers nous. Hein. Initier stratégie. Ah! Déplacer ses bateaux. C'était lui, Balthus, qu'il fallait. Oh merde! Il s'appelle pas Balthus. C'était pas Baltheus? Ils ont changé son nom? Merde alors. Forcer Balthus à changer de camp, c'était ça le truc. Ah merde! Je me suis foiré. C'est un méchant ça, non? Ouais. Toi, va tuer le méchant. C'est une cité là, qui c'est le fou là? T'appuies toi.
Hop. Et comment je lui dis d'aller là, lui? Voilà, toi. La chaise. On va défoncer lui. Si à seul point de jeter les armes. Ah bah non. Bien aidé. Vous avez entendu parler des formules. Roi de la castagne. Mais non, pas toi. Balthus, mais c'est pas Balthus son nom. C'est pas Baltheus. C'est moi qui suis. Madame alors. Pas Balthus. Par contre Claude, tu gênes là. Aïe. Ouais, je suis en train d'attaquer. Oh merde, j'aurais bien aimé que tu sois là en fait, Holst. Je peux pas dire à Claude de venir. Ah si, c'est ça. Ah non, là du coup je peux pas le contrôler par contre. Ouais. Aïe. Elle est morte, Lysitia. Merde. J'aime pas ça. Oui. Je peux pas la contrôler, j'ai l'impression qu'elle est amoureuse du coup. Non. On contrôle les ports, a subi des lourds dégâts. C'est qui a besoin de renfort? C'est là-haut qu'ils ont besoin de renfort? Merde. Ah oui, mais c'est ça, il faut que je pète les chefs du bastion. Mais ça ne serait une de ses armes. Attendez, je vais en finir avec eux là. Hop. Allez, Holst. Défonce-les bien comme il faut, en bonne et due forme. Comme on dit, la maison gagne toujours. Mais non, Balthus. Ah merde, si j'avais pris la rip alors. Je suis un peu déçu là. On va pas avoir sous-estimé, c'était une grossière erreur que toutes les troupes passent à l'attaque, suivez-moi. Ah merde alors. Je pensais que. Fermez ses alliés, avance. Ok. Bah merde alors. C'était lui, Balthus, que je pouvais sauver au début. Capture tous les bastions. Ok. Pourquoi tu ne vises pas le gars? Oh, il me saoule lui. Il me saoule! Allez, ouf. Lui aussi, il a un super pouvoir. Si on regarde la droite. Attendez. Alors toi, tu vas aller prendre ça. Aïe. Voilà.
Moi, ça m'emmerdait, hein, m'emmerdait lui. Attends, toi, tu vas aller péter la gueule à eux, là. Non, non, on peut pas ici. Ton tour est très très bien, là, comme il est... Il est là. Aïe. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Easy peasy. Ils ont pété les cheveux roses. Je laisse en train d'attaquer. Machin. Oula. Ils sont en train de remonter par contre. Elle a pris le contrôle en branchement. C'est pas bon du tout ça. Il catalogue jusque là-haut lui. Hop, Ferdinand von Helsling. Von Aegir, bon j'étais pas loin. Je ne peux pas échouer ici, il en donne l'avenir de l'Empire. On n'a pas pu sauver Balthus, putain, si j'avais su. Balthus, mais ils ont changé son nom, non? J'ai l'impression qu'ils ont changé son nom. Bon, en tout cas, c'est moi qui me suis peut-être trompé, je l'ai toujours appelé Balthéus. Mais du coup, j'ai pas du tout capté que c'était lui. Si j'avais su, je lui aurais dit de changer de camp, en fait. Dans la stratégie. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu sur ce coup. Parce que du coup, Balthéus il crève. C'est mon truc quoi. Il est pas censé mourir, le gars. Aïe. Aïe. Bon, l'épisode durera un petit peu plus longtemps. Mais tant pis. Il est toujours pas mort, lui. Tu vas crever. Bah voilà, merci. Vous avez vaincu Ferdinand. Je me suis laissé aveugler par mes ambitions. Nous devons nous retirer et nous regrouper. On se replie. Ferdinand a battu en retraite. Nous avons gagné. Je vais entendre ces cris de victoire, mes amis. Ils ont probablement l'intention de lancer une deuxième assaut après s'être regroupé, mais reste à voir s'ils le feront. Sûrement. Regardez, l'armée impériale bat en retraite. Du calme, Hilda ne crie pas victoire trop rapidement, nous avons seulement repoussé leur première vague d'assaut. L'Empire a fait entrer une grande quantité de troupes dans Leicester depuis qu'il a pris le contrôle du grand pont de Meyardine. Je m'attends à ce qu'ils aient plein de soldats de réserve bien reposés après se battre. Je reconnais bien la Holst, toujours un coup d'avance, j'étais en train de penser la même chose. Nous ne sommes pas encore tirés d'affaire. Mais votre plan n'a pas été compromis, n'est-ce pas? Je crois qu'il est grand temps que vous nous expliquiez exactement ce que vous avez en tête. Contentez-vous de garder vos yeux sur l'ennemi et vous comprendrez bien assez vite, si toutefois le plan fonctionne, bien sûr. Que voulez-vous dire? Cette mascarade a assez duré, vous allez sérieusement continuer à esquiver nos questions à un moment pareil. Si telle est la volonté de notre chef, alors nous n'avons qu'à surveiller l'armée impériale et attendre les bonnes nouvelles. Cela suffit à vous satisfaire, Seigneur Holst. Donc dès combien de temps il faudra plein de temps allons devoir attendre avant de savoir si le plan va fonctionner. Bonne question, plus ou moins 3 jours je dirais. Si tout se passe comme prévu, tout vous paraîtra clair et limpide comme de l'eau de roche. Et Lorenz, je m'excuse d'avance. Pourquoi vous excusez-vous seulement auprès de moi? Voilà qui est troublant. Très bien, je vais attendre de voir ce que nous avons préparé. Mais soyons clairs, si votre plan échoue sur la fin de l'Alliance, nous serons en plus en mesure de rester à l'Empire. Oui, j'en suis bien conscient, nous n'aurons pas de seconde chance. Ok, ok. Bon, c'est un parfait si on oublie que Balthéus est mort. Mais je l'ai toujours appelé Balthéus, moi. Il s'appelle pas Balthus. C'est quoi, ça? Mais je peux pas penser qu'ils aient fait une aussi grosse erreur. Dans la traduction, c'est peut-être dans la traduction, cela dit. Mais ça me paraît chaud quand même. Holst est maintenant contrôlable, mais ça c'est cool ça. Mais je suis un peu déçu pour Balthéus. Move the
et placer les soldats blessés vers l'arrière, que tous ceux qui peuvent encore se battre reforment leur rang. Dès que nous serons prêts, nous lancerons une autre attaque sur Derdryu. Une autre attaque? Mais pourquoi on n'attendait pas le comte Bergliez? Trahamit à bout de souffle, et une grande partie de ses hommes sont encore debout et prêts à se battre. C'est le moment opportun pour frapper. De nos hommes, pardon. Seigneur Ferdinand, Ladislava. Ah, général Ladislava, nous vous entendions. Le comte Bergliez est-il arrivé? Non, il n'est pas encore quitté l'Empire. Des événements suspects au sud de Leicester ont suscité la méfiance et l'hésitation du ministre. Des événements suspects, vous dites? A-t-on idée de ce qu'on complote l'Alliance? Pas à ma connaissance, messire. Il me peine de l'admettre, mais nous devrions peut-être rester en arrière en attendant d'en apprendre plus. Mais cependant, nous sommes à deux doigts de la victoire. C'est qui ça? Général Ladislava, nos éclairs sont revenus. Et que disent-ils? Les soldats de Gloucester ont lancé une attaque surprise, nous avons perdu le grand pont de Myrdine. Nous pensons qu'il y a de fortes chances pour que les forces de Gloucester et d'Ordelia s'emparent des terres qui appartiennent à la maison Flegelton. Ainsi, le comte Gloucester nous a trompés depuis le début. Quoi? On a été piégés? Non, c'est pas possible, on est figés. Il semble que nous soyons tombés dans un piège de l'Alliance. Il faut battre sa retraite. Il faut battre en tête, sortir de ce guet-apens, trouver un endroit où se cacher. Calme-toi, Bernadetta, un chef doit inspirer la confiance à ses soldats. Nous allons immédiatement nous mettre en route pour le grand pont de Myrdine. Il est possible que l'ennemi nous prenne en chasse, mais qu'importe, nous devons maintenant notre cap pour l'Empire ne pas faillir. Bien, messire, je vous suivrai où que vous alliez. Je m'excuse d'avoir entraîné toutes les deux dans cette débâcle. Ce que nous pouvons faire pour le moment, c'est prier pour qu'au moins une partie de notre armée parvienne à rejoindre l'Empire. Pardonnez-moi, Edelgard, je ne pourrais peut-être pas tenir la promesse que je vous ai faite après tout. Ha! C'était donc ça le plan de Claude? Reprendre le contrôle du pont après? C'est louche. Par contre, c'est trop long là! J'aurais pas dû lancer le chapitre. Je suis en train de me griller un épisode là. C'est pas cool du tout. L'armée impériale est en déroute, je peux pas sauvegarder là. Mais non, je peux pas passer. L'armée impériale est en déroute, mon plan s'est déroulé sans la moindre anicroche. D'après un message envoyé par mon père, les troupes de Gloucester ont lancé une attaque surprise au pont de Myrdine. Pardon? Les troupes impériales ont été prises par surprise et repoussées, le pont est de nouveau sous contrôle de l'Alliance. Il a également affirmé qu'on Anderia a renforcé les défenses du sud de Leicester avec l'aide du comte Gloucester. Faire semblant de rendre les armes pour que l'ennemi se positionne en situation désavantageuse, c'était votre plan, j'imagine, monseigneur. En gros, oui, sauf que le comte Gloucester ne serait pas passé à l'action si nous n'avions pas été battus, si nous avions été battus lors de la bataille de Derdryu. Nous avions fait la promesse, et grâce à vous tous, j'étais en mesure de l'honorer. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? En d'autres termes, la maison Gloucester et la maison d'Ordelia n'ont pas véritablement trahi l'Alliance. J'espère que vous me pardonnerez, je le sais depuis le début, mais mon père m'a fait jurer de ne rien dire. Vous le saviez, Lysitia? Mon père ne m'a strictement rien dit. Claude, pourquoi n'en ai-je pas été informé? Encore une fois, je suis vraiment désolé, votre père m'a fait jurer de ne rien dire avant que tout ne soit terminé. Mais pourquoi? Est-ce la nouvelle manière de me faire comprendre qu'il ne voit toujours pas en moi un successeur digne de lui? Pas du tout, Lorenz, mais je ne me permettrai pas de parler en son nom. Vous devrez lui demander la prochaine fois que vous le verrez. Je comprends que vous soyez bouleversé, Lorenz, mais ce n'est pas le moment de céder à la rancœur, donc nous mettre en route et sans tarder. Si nous n'encerclons pas vite l'armée impériale pour le réduire à l'impuissance, ce plan échouera et le comte Gloucester se retrouvera en fâcheuse posture. Il a raison, si le comte Bergliez lance maintenant ses hommes dans la bataille, nos alliés du Grand Pont subiront une attaque en tenaille. Qui est ce comte Bergliez, Auguste? C'est le ministre de la guerre de l'Empire. Sa maison contrôle le territoire situé à de l'autre côté du Grand Pont de Myrdine. Il n'est pas encore affronté, mais il est considéré comme le plus grand guerrier de l'Empire. Je vois où vous voulez en venir, il faut y aller. Désolé de vous demander cela alors que vous n'avez pas récupéré la dernière bataille, mais j'aurais besoin que chacun de vous fasse un dernier effort. Ok. On va pouvoir s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode et à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.